il y a des cas particuliers. Il y a plein de cas particuliers. Parce que si vous avez un sol qui a été en viticulture chimique pendant 20 ans, conventionnel, vous avez pas travaillé sur la partie vivante du sol. C'est-à-dire que du coup, vous avez probablement un sol avec une activité microbiologique qui est plus faible. Le risque, c'est que si vous mettez des plantes qui ne sont pas des plantes qui ont germé, hein, entendons-nous, c'est des plantes qui sont bouturées, donc ouvertes d'un côté, ouvertes de l'autre à la greffe, que l'on met dans un milieu, et des plantes qui sont faibles parce qu'elles ont été alimentées avec des engrais minéraux pendant la pépinière, et qu'on les met, elles souffrent, elles ont un peu de mal à démarrer. On a une greffe en même temps, donc on doit faire la soudure, la greffe, la reprise et la transplantation, les unes après les autres, et avoir quelque chose de bien et de dynamique. Si on est dans un sol, hein ? Dans des terres à vignes, même dans des terres à vignes. Le risque de ça, c'est que les micro-organismes là, ce champignon là, qui est en train de décomposer le système racinaire, lui, s'il n'a rien à bouffer, et bien en fait, tout ce qui est un pseudo-vivant, il va l'attaquer, évidemment. Il risque de l'attaquer. Le problème du pourridier. Dans ce genre de cas, c'est... Alors le pourridier, par exemple, il peut s'exprimer dans des moments, si vous avez une forêt et que vous défrichez une forêt et que vous plantez derrière, eh bien, quasiment systématiquement, vous allez avoir votre vigne, ça va super mal se passer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas le problème de ça. C'est que, imaginez que les micro-organismes sont des micro-organismes extrêmement spécifiques. Vous avez des micro-organismes adaptés à la forêt. Vous avez des micro-organismes adaptés aux arbres, à la forêt. Ils sont couverts, ils sont sous une couche d'humus. Ils ne dégradent pas les mêmes matières. C'est pas du tout les mêmes que les micro-organismes de la vigne qui sont des micro-organismes de prairie, en gros. Donc, du coup, vous allez enlever la forêt et tout le système racinaire va se retrouver là, à nu, avec des micro-organismes qui sont là, qui n'ont plus rien à croûter ou qui ont à croûter que ce qu'il y a là de mort. Et vous allez mettre des plantes dedans qui sont soi-disant vivantes. Et là, ces micro-organismes-là, pendant un moment, ils vont s'exprimer en continuant à essayer de dégrader la matière parce qu'il y a quelque chose qui déconne. Et là, ça va mal se passer. Par contre, c'est à ne pas faire ça. Quand vous faites ça, il faut absolument passer de l'état micro-organisme de forêt à l'état micro-organisme de prairie. C'est-à-dire qu'il va falloir d'abord semer des engrais verts, semer de la prairie, lancer le cycle de transformation de la biologie du sol, et après, vous allez pouvoir vous amuser à planter de la vigne. Mais si vous le faites avant, vous risquez d'avoir un gros problème. La vigne, c'est planter la forêt. Mais attention, on ne la plante pas dans la forêt, on la plante dans la pluie-forêt. On vient de couper la forêt. Si vous plantez votre vigne sous des arbres fruitiers, si vous plantez votre vigne sous des arbres fruitiers, sous des arbres en agroforesterie, et que vous restez dans une dynamique qui est liée à l'arbre, il ne va pas se passer la même chose. Vous allez encore une fois avoir quelque chose de différent. La question, c'est le changement d'état, le changement de microbiologie qui fait que... Combien de temps il faut attendre ? Deux, trois ans. Mais il faut absolument le faire. Il faut absolument relancer ce cycle-là dynamique de micro-organismes de prairie. De ma vue holistique, en cherchant à comprendre comment fonctionne le vivant et comment les choses s'articulent les unes avec les autres, moi je peux venir que de là. Je ne peux pas analyser chaque chose de manière précise, puisqu'à chaque fois c'est un cas particulier. Mais globalement dans le vivant, ce qui se passe, c'est que les matières organiques sont décomposées par les champignons dans le sol, et c'est un cercle vertueux d'aggradation des sols. Et c'est pour ça que les sols ont été fertiles, et c'est pour ça que les sols sont fertiles, et sont encore un peu fertiles. Et donc je ne peux pas, moi, décemment, parce que je pense et je suis convaincu que la dynamique de vivant va vers quelque chose de positif, va vers un équilibre. L'équilibre, c'est pas la chose ultime. Hein. Un équilibre, c'est quelque chose qui est en mouvance, en permanence. On a un équilibre là, puis vous voyez, je me déséquilibre, hop, j'ai un autre équilibre, j'ai changé de place, mais je suis encore dans un équilibre. C'est pas quelque chose de fondamentalement similaire tout le temps, c'est quelque chose qui bouge. Mais c'est une tension. L'équilibre, c'est la recherche d'équilibre. C'est pas quelque chose de stable, c'est le déséquilibre qui crée le rééquilibrage et l'équilibre. Donc en fait, on est en permanence en train de faire ça. Et je pense que la nature, elle est faite sur ce modèle-là d'amélioration des choses. Il n'y a personne, pour moi, dans la nature, qui est là à tapis dans l'ombre à dire « je vais lui zigouiller ses vignes ». J'ai probablement pas
j'ai que ma raison, hein. Mais c'est comme ça que j'entrevois les choses, c'est ce qui me permet d'avancer et de me poser des questions sur ce genre de maladie-là, et qui fait que je suis ici finalement. Si on regarde à l'échelle de la planète, ici, tous les 20 000 ans, on a une glaciation qui fait qu'on repart à zéro. Donc la biodiversité, l'augmentation de la diversité, elle n'est pas évidente parce qu'à chaque fois elle est remise en question. Mais du coup, si on se décale sur les tropiques, on a une diversité qui est sans commune mesure avec la nôtre. Hein ? Cette diversité-là, si elle s'exprimait avec des méchants qui mangent les gentils, est-ce qu'on aurait de la diversité ? C'est complètement antinomique et paradoxal de penser ça. Ce qui crée la diversité, c'est les équilibres. C'est l'équilibre entre des fonctionnements différents sur chacun. Donc pour avoir de la diversité, il faut que fondamentalement, la nature soit en direction de cette diversité. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Donc c'est pour moi, le cycle de dégradation, enfin le cycle d'amélioration de la diversité, c'est quelque chose de vertueux. C'est quelque chose qui va vers du positif. Donc je ne peux pas moi me dire qu'en traitant quelque chose, c'est-à-dire qu'en aseptisant, je ne peux pas me dire que je résous le problème. Je peux me dire que je suis coincé, je traite pour résoudre le problème sur le moment, mais je ne résous pas vraiment le problème. Je ne fais que déporter et décaler. On peut se retrouver juste bloqué dans un système. Et donc je me dis, peut-être que pour le pourridier, nettoyer si on n'a pas le choix dans un premier temps, oui, mais il faudrait pas que ce soit une manière de fonctionner, quoi. Il ne faudrait pas que ce soit une manière de réfléchir, parce que sinon, en fait, on se retrouve à se mordre la queue et à toujours être coincé dans un système qui nous empêche d'avoir une culture qui est meilleure. Du monde, quoi. Il vaudrait mieux pulvériser des bactéries lactiques, amener du BRF, stimuler la croissance et la gradation des sols, et du sucre éventuellement, mais du sucre contenu dans les plantes, donc c'est-à-dire des plantes en bonne santé qui font de la photosynthèse, qui font que les mycorhizes sont contentes.